Erich Oswald von Stroheim von Nordenwald. Un nom de bataille que l'on a pris longtemps pour un nom propre. Les producteurs d'Hollywood, le public international, les critiques, les journalistes, les historiens du cinéma et Stroheim lui-même ont cru pendant 40 ans à la légende illustrée par 20 films du lieutenant de cavalerie autrichienne, fils d'une dame de la cour et d'un colonel de la garde impériale. La mystification durerait encore si, il y a quelques années, un critique plus scrupuleux, Denis Marion, ne s'était avisé d'aller directement aux sources. Depuis le moment où Erich von Stroheim est apparu sur l'écran, il n'a pas cessé de donner des renseignements sur ses origines et sur sa jeunesse. Sans doute, ces renseignements ne nous sont en général parvenus que sous la forme d'articles dans les périodiques de cinéma, articles qui pouvaient avoir été rédigés à la légère par des journalistes peu consciencieux ou désireux de broder sur la réalité. Mais néanmoins, depuis 1918 jusqu'à 1957, date de sa mort, toutes ces confidences ont été dans le même sens, ont contribué à créer un personnage dont la réalité, pendant cette période, n'a jamais été sérieusement mise en question. Stroheim était né à Vienne en 1887, ce qui est parfaitement exact, dans une famille aristocratique. Là, les précisions ont varié avec le temps. Au début, le père était colonel de dragons et la mère, dame d'honneur de l'impératrice Élisabeth. Par la suite, des atténuations ont été portées à cette trame, mais Stroheim n'en a pas moins persisté dans le caractère de sa famille, et le Who's Who de 1957, dont on sait que les notices ont été rédigées par les intéressés eux-mêmes, porte celle-ci, que lui-même a donc établi, Stroheim Erich von, pseudo de Stroheim Erich von Nordenwald, né le 22 septembre 1885 à Vienne, Autriche, fils de Hans Stroheim, fonctionnaire, et de Madame née von Nordenwald. Études, Université de Vienne, École des cadets de l'Académie militaire à Neustadt, Autriche. La Vienne de 1965 est une capitale moderne. Le Parisien en visite ne s'y trouve pas dépaysé. Le palais impérial est un musée, la valse, un souvenir. Au début du siècle, les premiers opérateurs d'actualité ont pu saisir sur le vif la réalité d'une légende. François-Joseph règne sur un peuple endimanché. Il ne soupçonne guère la destinée mondiale de trois de ses sujets qui auraient pu se croiser ici au hasard de la foule. Le docteur Sigmund Freud, né en 1856, a publié son premier ouvrage sur l'explication des rêves. Il analyse les puissances obscures auxquelles Adolf Hitler, né en 1885, sacrifiera le plus clair de sa malfaisance. Erich von Stroheim, pour sa part, exorcisera les mêmes puissances sur le rectangle lumineux de l'écran. Nous serons loin, alors, de la Vienne des Habsbourg.
dans l'Autriche des Habsbourg, il existait deux états civils différents. Un pour tout le monde, qui était catholique, et l'autre à l'usage de la communauté israélite, où c'était le rabbin qui tenait les mêmes pièces. J'ai enfin découvert la preuve irréfutable dans ces archives de l'état civil de la communauté israélite de Vienne, sous la forme de l'acte de naissance d'Erik Oswald Stroheim, né le 22 septembre 1885, de Benno Stroheim, commerçant, né lui-même à Gleiwitz en Prusse silésienne, actuellement Gliwice en Pologne, et de Johanna Bondi. La précision allait jusqu'à fournir le nom de la sage-femme, Wilhelmine Schrotz, et celui du circonciseur, Elias Weiss. Une annotation marginale signalait que Erik Stroheim avait quitté la communauté israélite le 17 novembre 1908, ce qui correspond évidemment à l'absence de nouvelles qu'il avait négligé de donner à la suite de son émigration aux États-Unis. En 1925, Erik von Stroheim réalise La Veuve Joyeuse. Entre ses mains, le sucre de l'opérette viennoise se change en acide corrosif. Le film trahit la nostalgie d'une vie brillante qu'il n'avait pas vécue. Mais les années passent et la nostalgie se charge d'amertume. Stroheim valse à son tour dans La Danse de mort, qu'il interpréta en 1946 sous la direction de Marcel Craven. Trop longtemps confondu la personne de Stroheim avec le personnage qu'il s'était forgé. Ce personnage est mort avec lui en 1957, mais 30 ans auparavant,
à l'avènement du cinéma parlant, une première mort s'était produite. Erich von Stroheim, cinéaste de génie, perdait définitivement le moyen d'exercer son art. Stroheim débarque aux États-Unis en 1909. Il y exerce tous les métiers. Écuyer de manège, gardien de canoë sur un lac, mercenaire dans l'armée mexicaine, vendeur de papier tue-mouche dans une ville où il n'y a pas de mouche. En 1914, il se retrouve à Hollywood, où, après et avant bien d'autres, il emprunte une filière désormais classique. Figurant, cascadeur, assistant enfin dans la troupe de David Ward Griffiths, que nous voyons ici en compagnie de Mary Pickford, Charlie Chaplin, Douglas Fairbanks, à la signature du contrat des artistes associés, société destinée à enrayer le monopole des producteurs d'Hollywood. Stroheim aura lui aussi sa troupe de comédiens, son équipe de techniciens, sa liberté de créateur total. Mais une liberté qu'il paiera cher. L'histoire de Stroheim est symbolique parce que c'est véritablement l'histoire de Hollywood. Aux grands pionniers comme Griffiths, Max Sennett et les autres a succédé l'époque des producteurs et des banquiers. Or Stroheim, je crois, a été un des derniers grands pionniers, un des derniers grands auteurs, comme l'on dirait aujourd'hui, mais non seulement auteur, mais producteur, mais magna omnipotent, qui ne permettait pas, paraît-il, à M. Carl Laemmle, propriétaire et grand patron d'Universal, de pénétrer sur son studio pendant qu'il tournait. On pouvait avoir une telle attitude à Hollywood à cette époque-là, parce que c'était le véritable Hollywood qui était basé sur les grandes personnalités, celles qui ont fait le cinéma. Mais on ne pouvait conserver une telle attitude que si l'on allait de succès en succès. Le premier échec, c'était la fin. Pour Stroheim, la rupture qui s'est passée au moment de son séjour à Universal n'a pas été causée par un insuccès, mais par un incident qui est encore plus symbolique de l'histoire de Hollywood. Stroheim exaspérait certainement les gens pour qui il travaillait, parce qu'il était devenu tellement puissant et tellement indifférent à tout ce qui pouvait se passer autour de lui. Et un jour, un jeune comptable de Universal a pris sur lui, m'a-t-on dit à Hollywood, d'arriver sur le plateau et de signifier à M. Stroheim, au milieu d'un film, que c'était terminé, qu'on allait prendre un autre directeur, un autre metteur en scène. Je ne sais pas comment l'histoire s'est passée, si véritablement le contrat a été brisé à la suite de ça, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le film était ce qu'on a merry-go-round, qu'on a appelé en français chaud-bois, et qu'il n'a pas été terminé par Stroheim, ce qui semble affirmer que cette anecdote est exacte. Mais ce qui est plus curieux, c'est, d'après ce que l'on m'a dit, que ce jeune comptable était promu un très grand avenir, puisque son nom était Irving Thalberg, qui, du fait de ce coup d'État, a instauré le régime des producteurs et des banquiers à Hollywood et a supprimé le régime des grands créateurs. Queen Kelly, film inachevé, marque la fin d'un certain cinéma, une certaine époque du cinéma américain. Elle marque aussi la fin de la carrière de Stroheim, réalisateur.
Voici la scène où apparaît l'héroïne du film, interprétée par Gloria Swanson, qui en était aussi la productrice. I can only say that I found it easy to work with him. You know, some directors like are thwarted actors, and they like you to impersonate them instead of giving your idea of a role. Now, DeMille, for instance, Cecil DeMille would say to an actor, "Well, I've hired you to act, so act. And if you're good, that's fine. If you're bad, I'll tell you you're bad." Now, another director by the name of D.W. Griffith, you could always tell when an actor had worked for Mr. Griffith because they had mannerisms like Mr. Griffith. You didn't even have to see his name on the screen, and you would know that that person had worked with Mr. Griffith. Now, von Stroheim was not like that. He was, I would say, more like DeMille, very intense man, but nevertheless, he didn't try to show you how a scene should be done, and then you try to give a bad impersonation of him. He would have been rather funny, you know, trying to show me how to play a convent girl. As a matter of fact, I that might have been very amusing.
Queen Kelly is not a finished picture. The only thing that was rather difficult at the time was that he was taking longer to do one third of the picture. We, of course, pictures have budgets, and picture, that means a certain length of months to shoot a picture and a certain amount of money in, to spend. And when we had finished with the first half of the script, not the first half, the first third of the script, we had all. We then had 20,000 feet. We could have made four or five pictures out of it. So we started to get a little worried that we had so much film and we'd only shot one third of the script. And we already were starting into about $600,000, which was a lot of money. And if we had continued at that pace and that amount of filming, most of it would have been on the cutting room floor, and then we would have had to spend maybe a million and a half to finish the picture. So time-wise, we were behind. We had a lot of film which we didn't need, which would never see the light of day on the screen. And so when we came now to a very important point in the story, where from the up to this time I had played a convent girl, and when the little convent girl leaves this imaginary kingdom, she is supposed to inherit her aunt is sick, and she is in Africa somewhere. I don't remember what part it was supposed to be in Africa, but I go there as a convent girl, and in the script it was a dance hall place that my aunt was running, and I take over. Well, there's nothing much you could do in the kingdom that would be censorable with a convent girl, but when you get down to a dance hall establishment, well, you can make it look like it isn't a dance hall, but perhaps something else which would be censorable. And this is what happened exactly, so that I looked not as much like a proprietress of a dance hall as I did. Well, we didn't even get into that part. I happened to become worried about what was being shot, and since the two people that were being put in charge didn't seem to have any control over the situation, I walked off the set one morning after it was very early in the morning, and I had just had a cup of tea for breakfast, and one of the characters had to drool tobacco juice, I don't know how you're ever going to say this in French, on my hand, and I felt a little squirmish, and I also knew that it would probably be not in the picture, so I walked off the set, excused myself, and went to the dressing room, my bungalow, where I lived, actually, and called New York and called the bankers and said, I think you'd better come out here because I'm worried. Much of the stuff that we're making in this dance hall, quote, question mark, I think is censorable, and the Will Hayes office will never allow us to show it. And not only that, but we have 20,000 feet for the first third of the picture, and if we continue like this, we're going to be all year, and it's going to cost more than I wish to be responsible for. So, like that, the bankers were there. They didn't have jets in those days, but they were there before I knew it, as if they'd come by their own kites or their own steam. And so as a matter of fact, I never saw von Stroheim from that day until actually we were making Sunset Boulevard. En 1929, les cours de la bourse de New York s'effondrent. On en connaît les conséquences. Comment ont réagi les milieux de cinéma? À
partir de l'époque dont je vous parle, n'est-ce pas? C'est-à-dire à partir du règne de Irving Solberg, c'est véritablement devenu une production organisée, ce qui peut parfaitement s'expliquer. C'est un autre système, n'est-ce pas? Et ça a donné d'admirables résultats parfois. Alors. Mais il était très difficile d'attribuer le crédit à telle personne ou telle autre. Pensez que dans les scénarios que j'ai encore connus, que j'ai vus, de messieurs vus, tous ceux faits par Fox 20th Century, jusque pendant la guerre, je ne sais pas comment c'est maintenant, mais c'est probablement la même chose. Il y avait sur la première page écrite, le metteur en scène n'a pas le droit de changer une indication de scène ou un mot du dialogue sans la permission personnelle et écrite de M. Daryl Zanuck. Alors, ça veut dire quelle liberté de création pouvait avoir le metteur en scène. Enfin, ça, c'est vraiment le système poussé à l'extrême. Mais en tout cas, ce qui a précédé ce système, ça a été véritablement l'intrusion d'Irving Solberg, qu'on a qualifié le génie de Hollywood, peut-être à un certain point de vue industriel, ils avaient raison, n'est-ce pas, mais qui a mis fin à la carrière de grand génie, et en particulier celle de Stroheim. À partir de 1929, Stroheim est perdu pour l'art cinématographique. Pas tout à fait, cependant. Au moment même où il est contraint d'abandonner la mise en scène, il amorce en effet une extraordinaire carrière d'interprète qui, en 1936, le conduira en France. Mais dès 1934, Edmond T. Gréville faisait appel à Stroheim. J'adorais Stroheim acteur et puis j'adorais surtout Stroheim metteur en scène. J'étais allé voir je ne sais combien de fois Folie de femme, Le passe-partout du diable, Marie aveugle, qui avait d'ailleurs d'autres titres en France, mais enfin c'était les titres anglais de ses films. Et l'univers de Stroheim était pour moi un enchantement. Et je me suis dit, je vais essayer de faire un film avec Eric von Stroheim. Alors j'ai écrit, comme un fan aujourd'hui écrit à une grande vedette, et j'ai écrit à Stroheim en lui disant, voilà, je vous admire beaucoup, j'ai fait tel film, je voudrais tourner avec vous. Et à ma grande surprise, presque immédiatement, est arrivée une lettre d'Eric me remerciant et m'envoyant un projet de contrat. Je dois dire que j'étais assez surpris. Il faut dire que c'est à une époque où Eric était très malheureux à Hollywood. Il avait poussé son slogan « L'homme que vous aimerez détester » tellement loin qu'il avait fini vraiment par se faire détester par les producteurs, et il était évidemment très content de venir travailler avec des gens qu'il aimait en Europe. Alors, fier de ça, je me précipite chez le producteur, qui ne réagit pas d'ailleurs d'une façon très enthousiaste et qui me dit « Nous allons voir le distributeur. » Et le distributeur a dit, je vais tout vous expliquer, nous sommes la filiale d'une maison allemande et il y a en Allemagne un monsieur qui s'appelle Goebbels qui a des idées assez arrêtées sur le cinéma en général et notamment sur monsieur Stroheim en particulier. Il ne nous est absolument pas possible de distribuer un film avec Eric von Stroheim. Lorsque Hitler est arrivé au pouvoir, les services de propagande de Goebbels ont attaqué Stroheim et ont parlé de son origine juive. Stroheim leur a répondu avec un mépris superbe, « Si je suis juif, le pape l'est aussi. » Est arrivé enfin 38. En 38, les United Artists de Londres m'avaient engagé pour tourner un film qui s'appelle « Mademoiselle Docteur ». Il y a déjà eu un Mademoiselle Docteur auparavant qui était tourné par Pabst. Je me suis assuré d'abord que ce n'était pas simplement un remake, pour employer ce mot horrible, parce que j'admire trop Pabst pour avoir eu envie de refaire un de ses films, mais le scénario était complètement changé. Il n'y avait qu'une chose qui était semblable au film français, c'était Dita Parlow qui devait jouer dans ce film. Et si j'ai accepté ce film, c'est parce que j'ai vu là la possibilité aussi de donner un rôle à Eric. Car il y avait un rôle de colonel allemand employé dans les services secrets, qui allait me permettre de montrer Eric, non seulement avec le faciès et la personnalité que nous lui connaissons, surtout celle de ce colonel de régiment extraordinaire, mais c'est une des rares fois où Eric a vraiment fait une composition un peu farfelue. Car pendant une longue période du film, on le voit habillé en vieux tenancier de bouge turc, avec une chéchia, beaucoup de cheveux, un bandeau sur l'œil et des moustaches. Et il s'amusait comme un fou parce que personne ne le reconnaissait au bureau et qu'il se faisait attraper par les accessoiristes. Enfin, il jouait à ça toute la journée en venant nous voir. Et nous avons donc commencé Mademoiselle Docteur sous d'assez mauvais auspices parce que le jour où Eric von Stroheim est arrivé à Londres, j'étais malade.
Nous tournions à Wharton Hall, dans les studios, et tous les courants d'air anglais qui sont bien connus ces années rendez-vous. On était au printemps, mais enfin, j'ai quand même attrapé une grippe terrible. Et Eric arrive pour tourner, pas de metteur en scène. Et comme le producteur était un vrai producteur et qu'il était près de ses sous, il a dit, étant donné le tarif exorbitant d'Eric von Stroheim, on va tourner quand même, on ne va pas perdre 3 jours en attendant que Greville soit guéri. Il voulait engager un autre metteur en scène. Alors là, Eric a dit, moi, j'ai signé un contrat avec M. Greville, je ne tourne qu'avec lui, il n'y a rien à faire et tout. Et le soir, j'ai reçu la visite du producteur qui me dit, mon cher, dans quel guépier vous nous avez mis en engageant cet individu? Il est monté sur la table du restaurant, il s'est retourné, il m'a montré son postérieur, il y a un scandale épouvantable, je veux le renvoyer, c'est impossible, on ne peut pas tourner avec cet homme-là. Bon. Là, ma température est montée de quelques degrés, enfin, au cinéma comme dans la vie d'ailleurs, tout s'arrange, et puis 3 jours après, avec la volonté de mettre enfin en scène Eric, je me suis trouvé devant lui. Et là, j'ai fait une découverte incroyable. C'est que cet homme qui, pour moi, représentait la science infuse du cinéma avait dans le fond, pour certains aspects techniques du cinéma, pour le montage, pour le raccourci, un mépris total. Il voulait les ignorer, ou il les ignorait, ce que je ne peux pas croire. Bref, la première scène que nous avons tournée se situait en haut d'un immeuble, au 5e étage, et Stroheim débouchait d'un escalier. On tourne la scène, la première. Après, il vient me donner une petite tape sur l'épaule pour exprimer sa satisfaction. Et puis, il me dit, bon, ben maintenant, on m'a vu là. Quand est-ce qu'on tourne mon entrée dans la maison et quand est-ce qu'on voit monter les 5 étages? Alors, je lui dis, mais Eric, tu as lu le scénario. Il ne s'agit pas de ça. Du moment qu'on t'a vu en haut de la maison, on sait bien que tu es entré dans la maison. Il me dit, non, voilà le défaut du cinéma. Ça n'est pas vrai. On ne peut pas faire ça parce qu'on tue tout. C'est pour ça qu'on ne peut pas raconter un film en 1h30. Il n'y a plus de sentiment humain possible à partir du moment où on montre un monsieur au 5e étage. Il faut le voir entrer dans la maison, il faut le voir monter tous les étages. Là, j'ai commencé à comprendre pourquoi il avait des ennuis à Hollywood et pourquoi souvent ses films duraient, et puis pourquoi il livrait à son monteur des kilomètres de pellicules dans lesquels il fallait, hélas, couper. Quoi qu'il en soit, en 1936, Raymond Bernard le fait débuter en France. Dans Marthe Richard, Stroheim est le partenaire d'Edwige Feuillère. Dans L'Alibi de Pierre Chenal, il sera celui de Jeanne Hyolt. Comment ça va? Ne comptez plus sur moi. Vous aussi. Tenez, voilà votre sale argent. Je n'en veux plus. Les 2000 francs qui manquent, je vous les rembourserai ce soir, demain, n'importe comment, mais je vous les rembourserai, je vous le jure. Trop tard. Vous auriez dû me dire qu'il s'agissait d'un crime. Vous n'avez pas cru à cette histoire de drogue? Mais vous savez bien que si. Tant pis pour vous. Vous êtes ma complice, ma petite. Je leur dirai. Vous entendez, je leur dirai. Je ne crois pas. Et je leur prouverai même. Quelqu'un m'a accompagné ce soir-là. Gérard, le petit chasseur. Gérard? Il sait que je n'étais pas avec vous. Vous êtes perdu. Pourquoi vous ne l'avez pas dit? Pourquoi? Gérard n'a pas peur, lui. Même si moi, si je n'ose pas. Lui dira que je n'étais pas avec vous. Je ne crois pas qu'il parlera. Dès lors, Stroheim devient une figure familière du cinéma français d'avant-guerre. Mais son génie d'acteur éclate dans La Grande Illusion. La Grande Illusion, ou la rencontre de Eric von Stroheim et de Jean Renoir. Herbedo. Quoi?
Wenn Sie mal schnell zum Rübenfeld bei der Zuckerfabrik. Bei den Coudron abgeschossen. Sehen Sie nach der Besatzung. Wenn es Offiziere sind, laden Sie die Herren zum Gabelfrühstück ein. Jawohl, Herr Rittmeister. Herzlichen Glückwunsch, Herr Rittmeister. Musik! Zum Wohl, Herr Rittmeister. Glückwunsch! Vorsicht, meine Herren. Vorsicht. Also, wir müssen einen Ihrer famosen Bohlen ansetzen. Mein Zwölf, ich muss doch anständig begossen werden, nicht wahr? Sehr gerne, Herr Rittmeister. Also, drei Murgel, drei Rippen, ein Mai, ein Marmel, J'avais écrit le rôle de l'officier allemand dans La Grande Illusion pour Jouvet. Il s'est trouvé que Jouvet a dû monter une pièce plus tôt qu'il ne le pensait. Alors, à ce moment-là, les journaux ont annoncé que Stroheim arrivait à Paris. Alors, immédiatement, j'ai supplié le producteur de l'approcher et d'essayer d'avoir une entente avec lui. Die alten Flicken, solange es geht. Befehl, Herr Major. Noch eine Tasse Kaffee, Herr Neuer. Wenn du diese Jauche Kaffee nennst, ist mir es ja auch recht. Es wärmt zumindest die kalten Gedärme. Zu Befehl, Herr Major. Das ist die neue Kriegsgefangenenliste, Herr Major. Ja. Naturellement, le rôle que j'avais écrit pour Jouvet ne convenait pas à Stroheim. J'ai donc réécrit un autre rôle. Et c'est là où je me suis aperçu de la richesse intérieure de cet homme. Cet homme projetait les idées et les suggestions et les conseils, disons-le. Je les acceptais très humblement, étant donné mon admiration pour lui. Votre cousin Edmond Boisdieu. La bâche militaire que j'ai connue autrefois à Berlin. Ah, très bien, il est très content. Il a été blessé, il a un bras en moins, il a épousé une femme très riche. C'est une très belle carrière. Vous l'avez connue? Blue Mimi? Of course. You were riding her when you won the Grand Military in Liverpool in 99, weren't you? Prince of Wales Cup. I remember. Asseyez-vous. Je vais vous dire quelque chose, Boisdieu. Croyez bien que le métier que je fais à présent me répugne autant qu'à vous. De TV. J'étais un combattant. Maintenant, je suis un fonctionnaire, un policier. Mais c'est le seul moyen qui me reste encore pour me donner l'air de servir ma patrie. Brûlez partout, la raison pour mes gants. Colonne vertébrale fracturée en deux endroits. Une plaque d'argent. La rotule du genou est en argent aussi. Les malheurs de la guerre m'ont apporté ces richesses. Me permettez-vous une question? Naturellement. Pourquoi avez-vous fait pour moi une exception? Pourquoi? Parce que vous vous appelez Boisdieu, officier de carrière dans l'armée française, et moi, Raffenstein, officier de carrière dans l'armée impériale d'Allemagne. Mais mes camarades sont aussi des officiers. Un maréchal et un Rosenthal, officier. Sont très bons soldats. Oui, joli cadeau de la Révolution française.
Je crains que ni vous ni moi ne puissions arrêter la marche du temps. Voyez, je ne sais pas qui va gagner cette guerre. La fin, quelle qu'elle soit, sera la fin de l'Europe et de Voyez. On a peut-être plus besoin de nous. Et vous ne trouvez pas que c'est dommage? Je crois qu'il prenait parfaitement au sérieux certains côtés militaires de son personnage. À tel point que, en 1939, lorsque la guerre a éclaté, Erich von Stroheim a écrit à Daladier en demandant de devenir colonel et qu'on lui confie un régiment, ce que peu de personnes ne savent. Et il a été très peiné, et c'est pour ça qu'il est parti d'ailleurs, parce que le gouvernement français n'a pas donné suite à sa demande. Enfin, il s'était créé un personnage, c'est-à-dire qu'il est fini par s'identifier au personnage qu'il était dans ses films. Voilà, enfin, Stroheim vous montrait couramment des photos de lui, des photos en officier, en vous disant « quand j'étais dans l'armée autrichienne ». En réalité, on reconnaissait que c'était des photos Paramount, enfin de tel film, de La Loi des Montagnes. Et il vous racontait couramment, enfin, je ne sais pas, quand l'empereur me disait. Ce n'est pas possible de lui dire « enfin, Eric, ça c'est une photo de tel film ». Non, le mythe Stroheim était devenu lui-même. Ce mythe, Stroheim l'avait créé dès son premier film, « La Loi des Montagnes ». Nous sommes en 1918. Stroheim se sent déjà parfaitement à l'aise dans son personnage d'officier cynique. Est-ce qu'il faisait la cour aux femmes? Il était beaucoup plus adroit que ça, justement. Leur façon de leur faire la cour était de les ignorer volontairement. Voilà. Est-ce qu'il vous a ignoré? Tout à fait, oui. Absolument. Mais je crois que, justement, il m'a intéressée à cause de ça. Et je crois maintenant que je suis beaucoup plus âgée et que c'était une façon d'essayer de leur plaire. Il aimait, je crois, la présence féminine autour de lui. Alors, tout naturellement, il engageait des secrétaires, tout naturellement, il engageait des infirmières parce qu'il a eu un accident, qu'il avait besoin de se faire soigner. Et tout naturellement, il les choisissait jolies. Dans ses films, il n'y a aucun doute, il y avait toujours une énorme sensualité. Sensuel, Stroheim l'était au point de broyer toutes les illusions idéalistes et de creuser toujours plus profondément la réalité charnelle des passions. Le bel officier de folie de femme ne craint pas de se commettre avec les misérables dont il exploite toutes les turpitudes. Comme tous les personnages de Stroheim, il glisse sur la pente d'une dégradation inéluctable.
dans la vie, jouer le rôle de l'homme fastueux. Quand on allait le voir, je sais que quand je l'ai rencontré, c'était, il habitait le Claridge, il faisait venir tous les maîtres d'hôtel, il faisait servir les consommations les plus luxueuses, et il dépensait beaucoup plus d'argent qu'il n'en gagnait avec le faste dans lequel il vivait. Toujours dans cette faste qu'il avait, cette espèce de démesure constante qu'il avait, il a donné un dîner de 500 couverts avec langoustes. J'aime mieux vous dire que tout de suite après la guerre, on a beaucoup apprécié ce. Il n'y a pas eu de reste. Non. You will see a scene in the picture of Queen Kelly, where it's a big banquet scene. Well, I had some very good caviar last night, but I wish to tell you, Madame Amon, it was nothing like the caviar we got right out of Russia, I'm sure, in those days. Caviar, chamois, everything had to be the real thing. There was no faking about this. When I was doing pictures for Mr. DeMille, he was more or less the same way, but it wasn't coming out of my pocket, so I couldn't have cared less. But here I was responsible, and I felt that if you could see it on the... I don't mind any expense. It's on the screen. But when it's wasted, and you know most of it's going to be in the cutting room, because you can't... Take 25, 50 reels and make an entertainment of a picture, a normal picture.
cette scène où nous voyons la reine cravachant sa rivale que son amant avait arrachée au couvent, cette scène clôt la version actuelle de Queen Kelly. Dans l'esprit de Stroheim, elle devait être suivie d'une troisième partie dans laquelle nous retrouvions Kelly au degré le plus bas de la dégradation. Ainsi aurait dû s'affirmer et s'illustrer une fois de plus l'obsession majeure de Stroheim. Dans cet hallucinant chemin de croix à l'envers en trois stations, le couvent, le château, le bordel. Actually, face to face with Erich von Stroheim was when I did Sunset Boulevard. And we never spoke of Queen Kelly. In the whole 3 months that we were making Sunset Boulevard, I don't think we ever mentioned it to each other. We were glad to see one another. He, meantime, had various interesting things happening to him, as I had. In an artist's career, you have your cycles of being very, everything going right, and then everything going wrong. I had been through this when I did Sunset Boulevard. My career seemed to be over. He, too, had gone through this as a director. But he had done something as an actor. And so when we met, we were very pleased to see each other. And it was a tremendous experience to work with him as an actor. When we started Sunset Boulevard, we didn't have a finished script. And so many suggestions were made. And von Stroheim, who couldn't help himself, he was creative. He made suggestions, and I can remember Billy Wilder saying, oh, that's wonderful, but it doesn't further the story, and we don't have the footage for it. But he came up with one. He came up with a magnificent idea that the fan mail that was sent to me, if you will recall, I thought was fan mail. He was writing them. This was von Stroheim's idea, and this was a magnificent idea. It was wonderful. We had nice times on the set, and I have wonderful recollections. And then after the picture, I met him here in France, you know. We even talked about doing something about Queen Kelly, making a new story around it, seeing if we couldn't save this beautiful material, which he had done where I was a convent girl. But unfortunately, I lived in America, he lived here, and then he left us. Mais en tant qu'ami, comment était-il, Stroheim ? Ah, délicieux. D'abord, pour commencer, extrêmement généreux. D'une qualité agréable. Ensuite, extrêmement désireux de vous faire plaisir. Maintenant, évidemment, il était comme tous les grands hommes, il avait certaines idées. De temps en temps, il avait des œillères, comme un cheval, et des naïvetés. C'était un homme extrêmement naïf, malgré son apparence marquis de Sade et... Et disons-le, son désir de ressembler au Marquis de Sade, c'était un homme d'une innocence d'enfant. Il y avait une certaine rudesse toujours dans ses personnages. Est-ce qu'il l'avait dans la vie privée ? Il l'avait extérieurement. Je crois qu'il ne l'avait pas intérieurement. Maintenant, peut-être ai-je bénéficié de son amitié. Du reste, ce sont généralement les gens qui ont le plus de talent qui sont le plus aimables dans la vie. C'était un gentleman. Il paraît qu'il a été, à un moment donné, difficile, à une époque fastueuse. Alors ça, je ne sais pas, je ne peux pas vous en parler. Il y a évidemment des gens qui ont dit qu'il était très compliqué, mais il était compliqué à Hollywood. Il était de bon ton d'être compliqué, de jouer un grand personnage. Il le jouait à une époque où, entre 1920 et 1930, il était utile de jouer un personnage. Mais avec moi, il a été très, très charmant et très simple. Je l'ai retrouvé à Hollywood plusieurs fois. Et je me rappelle d'une party, comme l'on dit, une fête qu'il a donnée chez lui. Vous savez qu'il n'était pas très riche vers la fin de sa vie, enfin à l'époque où je l'ai connu à Hollywood, je l'ai retrouvé à Hollywood. Et il a donné une fête un soir à laquelle ma femme et moi étions invités. Nous sommes allés, et cet homme que l'on disait buveur, brutal, coléreux, surtout buveur, s'est conduit vraiment comme le grand seigneur qu'il pouvait être dans ses films. Je l'ai bien observé ce soir-là. Il accueillait tout le monde au seuil de sa maison, le baisement aux dames européennes.
Et j'ai regardé, il n'a pas bu un verre de la soirée. Tout le monde buvait, il encourageait tout le monde à boire. Mais ce soir-là, ce grand buveur n'a pas bu. Il était le maître de maison. C'était un grand seigneur. Est-ce qu'il était dupe de sa légende? Je crois que oui. Je crois que oui. C'est pour ça que, par exemple, les gens... J'ai entendu dire que Denis Marion avait été recherché, que ça... qu'il n'était pas en réalité un officier autrichien, qu'il n'était pas ceci, qu'il n'était pas cela. Je trouve tout à fait normal qu'il ait voulu se faire cette légende. Je trouve ça très bien. Oui, d'accord, mais est-ce que vous pensez que c'est mal, que Quentin, c'est mal de dire, mais pas du tout, il a fait son service militaire obligatoire comme tout le monde? Je trouve que c'est absolument lamentable, voilà. Je trouve que maintenant que Marilyn est morte, on étouffe un peu le fait qu'elle était peut-être pas très drôle pour les metteurs en scène, qu'elle était... On la laisse tranquille, et je trouve que Stroheim doit être comme on le voit dans ses films, et comme il était exactement dans ses films comme il l'était dans la vie. Il jouait le même personnage. Qu'est-ce que Stroheim gagne et qu'est-ce qu'il perd dans cette démystification? À mon avis, il ne fait qu'y gagner. Pendant toute sa carrière, nous sommes tombés tête baissée dans le piège qu'il nous a tendu, et avec le public, nous nous sommes récriés sur l'authenticité de ses compositions en nous convainquant nous-mêmes que seul quelqu'un qui avait été officier, qui avait connu la classe aristocratique et militaire autrichienne, qui y avait vécu, était capable de la restituer avec cette précision. Nous nous apercevons maintenant qu'il s'agissait là d'une œuvre d'imagination, mais cela ne fait que renforcer mon admiration personnelle pour les pouvoirs artistiques de Stroheim. Simplement, et c'est ça qui me paraît le plus intéressant, au lieu de croire qu'à l'écran, il a revécu quelque chose dont il avait eu l'expérience personnelle, nous sommes en mesure maintenant de croire qu'au contraire, selon un autre processus de la création artistique, il a matérialisé soit sa phobie d'une classe qui devait lui paraître haïssable à cause de son origine, soit peut-être son attirance pour un monde duquel il se savait exclu. Stroheim est un homme d'une imagination débordante, et même, je crois que le monde de Stroheim, ce monde d'officier viennois, de veuve joyeuse, de ce monde évoquant l'empire d'Autriche-Hongrie avant les catastrophes, ce monde brillant, léger, élégant, est évidemment autant une invention de Stroheim, de même que le monde de Stendhal, l'Italie de Stendhal, est en partie une invention de Stendhal. Maintenant, pour Stroheim comme pour Stendhal, ces inventions sont basées sur la réalité. L'observation est à la base. C'est le travail normal du grand artiste qui digère la nature et fait de la nature sa propre possession. Il avait beaucoup de rêves. Son rêve principal eût été de refaire un film qu'il aurait tourné en France et qui se serait passé en Autriche-Hongrie. Il rêvait de reparler de l'Autriche-Hongrie. Il avait la nostalgie de François-Joseph et des uniformes blancs. Alors, il y a ce rêve-là. Il avait aussi la nostalgie d'une espèce de bourgeoisie décadente qui était et d'une aristocratie décadente qui était, dans son imagination, le monde autrichien d'avant 14. Une autre chose dont il rêvait, c'était de la Légion d'honneur. Erich von Stroheim avait acheté à Maurepas une propriété un petit peu délabrée, avec une cheminée qui tirait mal, et le fait qu'il y avait toujours beaucoup de fumée dans cette pièce lui ajoutait encore quelque chose de fantomatique. Et dans ce décor bizarre, où il y avait des sabres accrochés au mur, un vieil escalier de bois branlant, et pour fauteuil devant la table de travail une selle de cavalerie,
sur laquelle j'ai vu Eric assis et écrivant ses mémoires, comme s'il était sur un cheval en pleine charge. Dans cette atmosphère de Maurepas, il se passait des choses extraordinaires. Et un jour, finalement, nous y avons été convoqués pour la remise de la Légion d'honneur à Eric von Stroheim, qui était déjà très malade. Et ce qui nous a frappé, et je crois que c'est une des seules fois que ça s'est passé, c'est qu'en somme, Eric von Stroheim a fait une répétition générale de sa mort. Il y avait de la musique douce, on avait dressé un catafalque dans la pièce du bas, un catafalque de velours rouge, sur lequel Eric, en habit, était couché, immobile, pâle, comme mort. Et lorsque, par exemple, je me suis approché pour lui dire bonjour, il m'a regardé et il m'a dit « Ah, naturellement, tu es là, j'ai fait ça pour savoir tous les gens qui viendraient à mon enterrement. » C'était une grande scène de Stroheim. Ça, véritablement, ça avait l'air d'être mis en scène par lui. Il était, à ce moment-là, mourant. Il savait, je ne sais pas de quoi exactement il est mort, en fait, très gonflé, très jaune. Il était couché dans ce salon à la campagne. Le champagne coulait à flotte autour de lui. Et nous savons tous qu'il était très pauvre à ce moment-là. Il était vêtu d'un pyjama de satin noir, fermé au cou, couché sur une espèce de brancard au milieu du salon. Et on venait de lui remettre la Légion d'honneur. Je n'ai pas assisté à la scène, je suis arrivé quelques minutes après. Enfin, quand je suis arrivé sur le pyjama de satin noir, il y avait le ruban rouge, la médaille. Et il paraît que quand Jacques Faux lui a remis la Légion d'honneur, autant qu'il l'a pu, il s'est à moitié dressé sur sa couche, a fait un salut militaire français, puis est retombé. Ça, c'est une grande scène de Stroheim avec le champagne qui coulait à flot. Je suis arrivé peu de temps après, je me suis approché de lui, et je lui ai dit à l'oreille, il était très fatigué à ce moment-là, je lui ai dit à l'oreille tous, une fois de plus, tout ce que je pensais de lui. Et puis, il m'a interrompu, et avec une voix presque enfantine, d'ailleurs, il a dit, « I want a picture with René. Je veux comprendre une photographie avec René. » Le photographe s'est approché, a pris une photo, puis je l'ai embrassé, je suis parti, je n'ai plus revu. Stroheim, de loin, indirectement, est une des raisons pour lesquelles j'ai fait du cinéma. Au début, lorsque j'étais très jeune et que je n'avais pas encore fait de film, mon admiration pour Stroheim m'attirait dans les salles de cinéma. Mais ce que j'aimais d'abord dans Stroheim n'était pas tellement son personnage sur l'écran. C'était sa mise en scène, c'était ses qualités d'auteur. Encore maintenant, je considère que si on doit nommer les 10 grands auteurs de films ayant jamais été existés au monde, Stroheim sera certainement l'un d'eux. Dans l'œuvre de Stroheim, les historiens sont d'accord pour reconnaître que la pièce maîtresse est constituée par les rapaces, dont pour finir nous vous présentons l'épilogue. Après une vie dont il est difficile de résumer les péripéties, Mac Teague mourra comme une bête dans la vallée de la mort. Avant tout, les rapaces témoignent du génie naturaliste de Stroheim. Adaptant un livre de Frank Norris, il en respecte scrupuleusement la matière et la durée romanesque. Le film terminé durait 7 heures, mais les producteurs imposèrent une version tronquée de 2 heures et demie. Malgré ces mutilations, le film demeure un fabuleux et terrible poème. Assurément, comme nous le disait Jean Renoir, l'un des 10 chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma.
Cette émission, comme bien des films de Stroheim, n'est pas complète. En effet, l'une de ses œuvres maîtresses, la symphonie nuptiale, n'y figure pas. La raison, eh bien, disons que nous n'avons pas trouvé un grand désir de nous aider auprès de personnes se croyant des droits sur sa mémoire.